Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai testé pour vous aujourd'hui les applications qui commandent les caméras IEGeek. C'est vrai que vous avez été nombreux à me demander une vidéo explicative sur les différentes options qu'offrent les applications qui commandent ces caméras. Je vais donc essayer d'apporter un maximum de renseignements avec cette vidéo en partageant mon écran et en faisant le tour des réglages disponibles avec les applications IEGeek Cam et Cloud Edge. On retrouve ici nos deux applications, Cloud Edge et IEGeek Cam. Donc, à savoir que ces deux applications sont identiques. Et dans chaque application, on peut créer une ou plusieurs familles qui pourront accueillir chacune quatre caméras. Donc, si vous avez plus de quatre caméras, il faudra donc créer plusieurs familles. Donc, moi, j'utilise Cloud Edge. On va cliquer dessus. Et on se retrouve ici avec nos différentes caméras. On va prendre la caméra courte. Donc, c'est celle, est, est celle qui est en bas. Et on va voir un petit peu tout ce qui est possible de faire comme. Comme réglage. on commence par le haut. On a donc la, la partie paramètres juste en dessous, le premier rectangle. Donc ça c'est, je ne vais pas partager mon écran parce que c'est des, des informations du périphérique. Hein, donc c'est des données personnelles. On retrouve le nom du Wi-Fi, l'adresse IP ou encore le numéro de série de caméra de la caméra. Dessous à gauche, on a notification Donc c'est pour activer ou désactiver euh, les envois de notifications sur le téléphone. Désactiver et activer. Juste à côté, la gestion des alarmes. Donc on peut cliquer sur les trois petits points. Et là, on a différents réglages. Donc euh, détection de mouvement, oui ou non. Donc, euh, puisqu'on a une caméra qui détecte les mouvements, on va rester sur oui. On a ensuite la sensibilité de détection, toujours pareil, plus ou moins. Euh, plus on, on se rapprochera du 1, et plus la sensibilité sera euh, moindre. Et plus on se rapprochera du 10, plus la sensibilité sera euh, précise. Donc autant rester à peu près vers le milieu. Parce que si on va euh, plus vers le 10, il suffit qu'il qu y ait un peu de vent et que les feuilles bougent pour que ça envoie une, une notification comme quoi il y a une détection de, de mouvement. Donc on va rester à peu près au milieu. Et ça, après, c'est selon l'endroit que vous filmez que vous pourrez régler plus ou moins la détection, la sensibilité de détection. On a euh, dessous la détection de forme humaine, donc ici on a pour la détection jour ou la détection nuit, toujours pareil, on active ou on, détecte, ou on désactive. Et niveau de la sensibilité euh, humaine de 1 à 5, c'est le même principe que, que la, la sensibilité qu'on a vue juste avant. On va rester à peu près sur le milieu. Ensuite, on a euh, les différents modes de fonctionnement. Donc, euh, moi je suis réglé en mode économie d'énergie, c'est-à-dire que, euh, que le, voilà, la longueur du clip vidéo ne dépasse pas 10 secondes. Donc, ça fait des petites vidéos de 10 secondes dès qu'il y a une détection de mouvement. Si on va en mode performance, on aura euh, des vidéos qui seront, euh, euh, qui seront plus longues, mais qui forcément euh, prendront plus de place euh, au niveau de la mémoire sur la carte SD et qui consommeront plus euh, d'énergie. Euh, dessous, on a le plan d'alarme. Donc, euh, ça peut être intéressant pour définir euh, une, une période euh, pour que, que la caméra soit activée sur euh, la période que vous choisissez. Donc, euh, soit en choisissant les jours de la semaine, de lundi à dimanche, ou encore en choisissant euh, les heures de travail, l'heure de, de début, l'heure de fin. On a dessous la zone d'alarme humanoïde. Alors ça c'est une, une zone d'alarme qui vous permet de sélectionner une zone de détection de la caméra. Donc on va cliquer dessus, on se retrouve en mode paysage. Et euh, voilà, la caméra est toute, toute quadrillée. On va par exemple passer le doigt sur la partie où on souhaite qu'il y ait une détection. Donc voilà, si, euh, si euh, il y a une détection qui se fait dans la partie qui est maintenant orange sur l'écran. La caméra enverra une notification sur le téléphone. Si c'est dans la zone qui n'est pas orange, si quelqu'un passe dans cette zone-là, eh il n'y aura pas de détection de, de mouvement. Donc, ça, c'est si on souhaite voilà, faire un, un quadrillage. On annule. On revient sur notre zone de détection de mouvement. Ensuite, tout en bas, on a donc l'avertissement audio et lumière stroboscopique. C'est si on souhaite que lorsqu'il y a une détection de, de mouvement, il euh, y a une alarme qui se met en route et la lumière qui, qui clignote. Donc vous voyez comme c'est noté, avertissement audio estroboscope uniquement valable la nuit. On retourne au menu principal. On a maintenant euh, le réglage de l'image. Donc dans cette partie-là, on a le réglage anti-sentiment qui est réglé sur, euh, sur 60 Hz. Et euh, mode couleur complet. Donc ça c'est pour la, la vision, la vision de nuit. Est-ce qu'on souhaite avoir une vision qui soit toujours en couleur On se mettra sur cette zone ici. Si on souhaite que la vision reste blanche, on ira tout en bas. Et si on souhaite que ça se, met, ça se fasse automatiquement, c'est-à-dire que s'il y a une détection à la nuit, la caméra euh, envoie une lumière et donc on aura une, une, une vidéo qui sera qui sera en couleur donc euh, moi personnellement je reste sur la vision intelligente parce qu'en fait tout se fait tout seul on a fait le tour par rapport au réglage de l'image on revient maintenant de le partage de périphériques donc ça c'est pour partager nos caméras avec quelqu'un d'autre qui aurait créé un compte sur, sur l'application donc si on souhaite euh, voilà faire un partage de périphériques il y a la vidéo qui est juste en bas qui est grisée euh, la vidéo euh, créée par IEGeek qui explique vraiment bien comment on peut faire un partage de, de caméras. On recule. On se retrouve maintenant avec le guide d'installation. Toujours pareil, c'est euh, un guide d'installation c'est un tuto hein, qui a été euh, créé par IEGeek pour l'installation des caméras. Donc c'est valable pour la première installation. Donc c'est un tuto qui est très très bien fait. On a ensuite dessous la gestion de lieu. Donc ça, c'est pour euh, modifier ou créer une nouvelle famille, comme on le disait en début de, en début de, de vidéo. C'est pour, pour créer d'autres familles si on possède plus de quatre de caméras. Dessous, on a la lumière de la caméra. Bon, on active ou on désactive la lumière de la caméra lorsque lorsqu'on est de nuit. Donc la, la caméra euh, envers une lumière. Éclairera la zone en fait où il y a eu la, la détection. Réglage de l'heure juste en dessous pour euh, passer de 12 en 24 heures. Donc, soit on passe euh, en 24 heures comme, dans, comme en France ou alors en, en 12 heures euh, et AMPM comme, euh, comme aux États-Unis. Ensuite, les paramètres sonores hein, juste, euh, juste en dessous on active ou on désactive donc le microphone parce qu'il est possible hein, avec euh, avec cette caméra de pouvoir parler avec euh, quelqu'un qui serait euh, qui serait euh, à l'endroit où la, la caméra filme donc par exemple je ne sais pas le, le facteur par exemple donc on coupe ou euh, on met en route le, le microphone euh, enregistrement vocal c'est pour euh, enregistrer le son euh, lorsqu'il y a une détection donc on aura et l'image et le son et le conférencier c'est pour euh, activer ou désactiver la fonction en fait euh, conversation pour pouvoir parler ou avec, avec quelqu'un qui serait dans, dans la zone euh, filmée on a ensuite dessous le volume de l'interphone ça c'est pareil c'est selon euh, c'est selon euh, comme on souhaite euh, régler de 0 à 100 on revient au début on a en dessous le cryptage vidéo donc en activant cette fonction on devra entrer un mot de passe pour, pour accéder aux photos ou aux vidéos qui auront été prises par, par la caméra. on a dessous l'analyse intelligente. donc l'analyse intelligente, c'est une fonction qui est payante, voilà, et qui permet, de, qui permet de faire le tri dans la détection des mouvements. donc une fois qu'on aura acheté euh, l'intelligence voilà, artificielle de, de, de la caméra, elle, sera, euh, elle pourra, elle, détecter si c'est des personnes qui passent, des animaux, des voitures, etc. Donc ça, je rappelle, c'est une fonction qui est payante. Dessous, on a la gestion de la batterie, donc euh, c'est plus, euh, c plus euh, pour, pour information. Voilà, on a 100% de batterie restante. En fait, on peut faire aucun réglage, c'est juste, juste pour information cette, cette partie. Gestion des enregistrements. On, on retrouve la capacité de, de notre carte mémoire. Donc, la capacité de la carte, la capacité qui, qui reste. Et on peut, à partir de d'ici également, formater euh, notre carte mémoire pour la remettre à zéro, pour faire un reset. Le service de stockage cloud. Pareil, c'est une, une fonction qui est payante. C'est si on souhaite que, que les vidéos ou, ou les photos soient enregistrées sur le cloud de IEGeek. Et donc, voilà, on a les tarifs qui sont, qui sont affichés ici 2,99€ ou 3,99€ si on prend l'intelligence artificielle en plus. Après, le stockage de cloud de base qui est gratuit, on peut l'activer. Et là, on aura une vidéo de 6 secondes à chaque fois que à chaque fois qu'on a une détection de, de mouvement. Le lien vers Alexa, c'est si vous possédez l'enceinte connectée Alexa, euh, il est possible de commander les caméras avec, euh, avec Alexa. Faire une vérification d'une nouvelle version, il euh, faut le faire régulièrement, pour voir euh, si on est à jour. Et si on n'est pas à jour, on peut faire la, la mise à jour du, du logiciel. Et tout en bas, le redémarrage et la suppression du périphérique. Donc ça, c'est pour les réglages qu'on retrouve ici. Et ces mêmes réglages, on les retrouve en haut à droite, quand on clique directement sur, sur la caméra. Donc on retrouve ici notre, ce, que, ce que la caméra voit. Donc en haut à droite, on retrouve exactement le même menu déroulant qu'on vient, qu vient d'expliquer. En dessous de, de l'image, on, bon, on a la réception Wi-Fi, on a le niveau de charge de la batterie. On peut choisir également la qualité de la vidéo, soit haute définition ou soit SD. On choisit. Dessous, on a la capture d'écran. Donc, si on appuie dessus, on aura une capture de, de l'écran de cet instant précis. Après, ça va. Voilà, c'est parti. Enregistrement. On clique dessus. On voit le petit euh, icône recording sur, le, sur la vidéo, donc c'est-à-dire que là la caméra est en train d'enregistrer, et on arrête en appuyant une seconde fois sur le bouton enregistrement. Voilà, la vidéo a été enregistrée, et là on la retrouve en faisant dérouler le menu du bas dans Album. On retrouve la photo qu'on a prise juste avant, et on retrouve la vidéo qu'on a filmée également juste avant. On peut bien sûr les supprimer dans la petite poubelle qu'on retrouve en haut à droite en sélectionnant et en mettant à la poubelle. Je supprime. On revient au menu du début. On a donc le micro au milieu de, de l'écran hein, pour, euh, euh, ben pour pouvoir parler. Donc en appuyant sur micro, on peut parler et euh, notre voix sera entendue dans, le, dans la caméra. En bas à gauche, détection de mouvement pour activer ou désactiver la détection de mouvement. On a la fonction rotation, ça c'est pour faire bouger la caméra si on souhaite euh, décaler la caméra sur la gauche ou sur la droite. Voilà. Là on est parti un petit peu sur la gauche, on va repartir un petit peu sur la droite. On va remettre comme c'était au début, voilà, ou pareil en haut, en bas avec les flèches. Ensuite on revient sur euh, notre écran. On a tout en bas à droite la lumière, c'est pour, euh, pour que la caméra envoie une lumière. On en a parlé aussi tout à l'heure. C'est pour, euh, pour pouvoir éclairer la zone qui est filmée. On revient à notre menu déroulant. La sirène, c'est pour faire sonner la caméra. Voilà, on a un point en dessus. Ça va vous demander une seconde fois si on est bien sûr de vouloir activer la sirène parce que ça fait assez de bruit pour ne pas déranger le voisin. Donc je vais faire annuler. Avertissement audio et lumière stroboscopique. Pareil, on en a parlé tout à l'heure, c'est un accès direct à cette fonction. Donc c'est euh, la nuit, lorsqu'il y a une détection, on peut euh, activer cette fonction pour avoir euh, un avertissement sonore et également la lumière qui clignote. Mode couleur complet, on en a aussi parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouve dans le menu euh, principal. Voilà, on a fait le tour de toutes les fonctions possibles qu'il y a avec le menu des paramètres de la caméra. Donc j'espère que cette vidéo vous servira pour régler au mieux votre caméra selon votre utilisation et qu'elle vous permettra d'utiliser au maximum ses possibilités. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.